Voilà, je me dis bien que je pouvais avoir un plein écran magnifique. Oh, c'est-il pas beau? C'est-il pas beau? C'est-il pas beau? Bonjour à toutes et toutes, j'espère que vous allez bien. Ah, moi je sirote mon café au lait. Enfin, c'est plus café que au lait. J'aurais peut-être dû rajouter un peu de lait, mais bon, c'est trop tard. C'est trop tard! Alors, je me fais plaisir depuis le temps que je rêvais de faire ce jeu. Et je l'avais déjà vu. Bonjour, mon cher Nayonet, j'espère que tu vas bien. Merci à toi d'être là. Je rêvais d'avoir ce jeu, de le faire. Déjà, je peux remercier mon cher cousin adorable que vous connaissez, Rio, qui m'a offert en fait ma carte graphique actuelle. Qui me permet justement de lancer le jeu. Et j'avais pris le temps les jours précédents, en anticipant ma première diffusion, de paramétrer et puis de voir qu'il y a du contenu additionnel. Là, il y a des packs DLC par exemple. Bon, là, j'en prends qu'un, ça m'intéresse pas. J'ai la chance d'avoir l'intégralité du 1. Parce qu'en fait, il est en deux parties, si vous voulez, le premier opus de Dying Light. Le 2 m'intéresse pas. Je l'ai même pas vu. Je le verrai peut-être un jour, je sais pas. Mais ce premier opus, j'avais adoré. J'avais suivi avec Fanta et Bob, que je salue. The Fantasio 974 et Bob Lennon. J'avais adoré leurs aventures. Et je rêvais d'avoir ce jeu. Ce jour est arrivé. Je suis donc en joie. Donc je connais l'histoire. Du moins dans les grandes lignes, peut-être pas dans les petites lignes, et puis entre-temps j'ai dû oublier. Et en plus, alors voilà, la suite c'est The Following, la deuxième partie. Il y a du multijoueur, et puis il y a jouer sur une carte personnalisée. Et j'en ai testé 2-3, dont une qui m'a scotché. Attendez, il faut que je vous la retrouve, c'est un hommage en fait à... Vous savez la démonstration qui a disparu sur le PlayStation Store de Silent Hill, l'épisode appelé PT, qui est en fait vous passez plusieurs fois dans une baraque et à chaque passage vous y découvrez une pièce du puzzle macabre de ce qui s'est produit dans cette maison. Et ça fait toute l'intensité, toute l'horreur avec une bonne narration de l'œuvre. Et ben figurez-vous qu'il y a un équivalent. Alors, A Second World, je l'ai fait. C'était la première aventure que j'ai lancée dans le jeu pour tester. C'est pas mal pour une introduction. C'est ça, Répétition. Créé par l'auteur Joshua Lucas Mahimet. Alors, ouais, comme il dit dans la description, il a fait plus de 150 heures de boulot. Il peut être fier de ce qu'il a fait. Moi, malheureusement, je suis pas allé au bout de cette carte. J'étais victime d'un bug. À un moment, mon perso s'est trouvé figé. Je pouvais plus rien faire. Donc, c'est dommage. J'ai quitté violemment avec un Alt F4 le jeu. Mais je pense que j'ai dû aller aux deux tiers, voire aux trois quarts de son scénario. Magnifique hommage à la démonstration technique qui était le Silent Hill PT. Joshua est encore là. Oui, bonjour, Twinsen. Hydrater le sage, oui je veux bien boire un petit coup, oui t'as raison. D'ailleurs j'ai pas fait ma bouteille de flotte normale, tiens j'ai tort. J'aurais dû faire ça avant de lancer. Donc du coup j'hésitais encore à faire des scénarios alternatifs là en bonus avant. Mais bon, je crois que je vais me lancer dans l'histoire principale. Je vais prendre mon temps, hein, méfiez-vous, je vais pas forcément chercher le 100%. Mais je vais pas bouder mon plaisir durant l'année 2023 à me délecter de cette œuvre vidéoludique. Et je serais même ravi de refaire une deuxième fois ce premier opus avec quelqu'un. On n'en est pas là. Je vais d'abord faire mon histoire en solo. Mais j'aurai grand plaisir peut-être avec l'un d'entre vous d'y jouer plus tard en coopération. Voilà, donc jouer la campagne. Normalement, j'ai plus rien à configurer. J'ai pris le temps de configurer le jeu. Je devrais être peinard instinctif. Oui, je regarde ce que vous me mettez sur le chat. Oui, difficulté.
Normal, difficile, cauchemar. Je vais commencer en normal. Je serai en difficile quand je serai en duo avec quelqu'un. C'est quoi mode histoire? Bah, c'est bizarre de proposer la difficulté mode histoire. Alors, confirmé. Pour ceux qui veulent se concentrer sur l'histoire et l'exploration sans trop s'inquiéter de la survie, vous êtes plus fort, plus résistant, les désinfectés moins dangereux et les nuits plus courtes. Bon séjour. Ah, alors qu'en normal, c'est... C'est normal, c'est parti. Bah, je vous laisse avec l'intro et je vais faire ma boisson, j'arrive. Information sur le sujet. Kadir Suleiman, homme politique local, chargé de maintenir l'ordre suite à l'infection. Son frère Hassan est mort lors d'un accident lié à la maladie, avant que nous n'ayons pu l'évacuer. Suleiman a accusé le GRE de la mort d'Hassan. Il a volé un dossier très sensible, qui est devenu sa monnaie d'échange contre le GRE, en lui demandant de le révéler si quelque chose lui arrivait. Information sur le sujet, le dossier volé. Il explique en détail le processus incomplet visant à synthétiser un remède contre le virus. Utilisé dans son état actuel, la substance obtenue peut être extrêmement toxique. De plus, le dossier contient une description détaillée de la structure du virion. Son utilisation causerait un nombre impressionnant de victimes. Il faut le récupérer. Information supplémentaire, statut actuel. Suleiman a envoyé le dossier à un associé, qui nous est inconnu, avec instruction de le publier dès qu'il le demandera. Nous avons donc dû brouiller toutes les communications radio de la ville, pour l'empêcher de rendre le fichier public. Votre radio GRE n'est pas affectée par ce brouillage. C'est un lien vital. Ne la perdez pas. Depuis l'incident, Suleiman a disparu de la circulation et se cache sous un faux nom. On pense qu'il dirige maintenant un des principaux groupes qui opèrent dans la ville. Nous vous rappelons que vous devez trouver Suleiman et repérer le dossier volé afin de sauver l'humanité d'une catastrophe sans précédent. Ah bah c'est déjà un beau gadin. Ça va, il s'est pas pété la cheville. Je t'avais dit que c'était pas un parachutage normal. Faites-lui une jambe et conduis-le à Rice. Reculez! Tous! Non! Le bruit les attire. Tirez-vous! Tirez-vous! Vite, faut qu'on file. On le dégage de la rue. Ouvre la porte. Jade, préparez l'infirmerie. J'ai un type avec un sale coup sur la tête. Et une morsure au bras. Merde! Amir est blessé! Non. Amir y est resté. Mais je ramène quelqu'un qui a une chance de s'en sortir. Un des nôtres? On verra bien. Ah ouais, j'avais déjà oublié cette intro aussi mouvementée. Ouais, hein, carnage. Oh, ça va être que ça. Bah, le peu que je me suis frotté aux cartes personnalisées, là, pour... personnaliser, adapter mes périphériques de jeu, c'était chaud. C'était vraiment chaud. Je me faisais exploser à une vitesse. Mais ça va me plaire. J'aime bien relever le genre de défi. Alors, attendez-vous que je sois soit au perché, soit planqué au fond de mon terrier.
Je vais pas faire mon malin. Il a encore bougé. Et si c'est un zombie? Un zombie, faut pas rester là. C'est d'un réalisme époustouflant. Vous avez reçu une nouvelle tenue, allez dans votre planque pour l'utiliser. Alors, wow, oh c'est magnifique, oh, ce photoréalisme, impressionnant. Comment ça, ça rame? J'ai 120 images secondes. Normalement, ça devrait être bien avec OBS. J'ai 120 images secondes. 125 pour être précis. Donc, n'hésite pas à me dire, Nayonès, si ça met un moteur, oui. Je pense que c'est comme, vous savez, c'est comme hier. Je pense que mon OBS a du mal à décanter les premières minutes, et puis après, ça... Ah, ça, tu confirmes une scène que ça rame sur la diffusion? C'est pas normal. Le... Ouais, c'est pas fluide. Alors, attendez. Merci de vos retours, bien évidemment. Il me dit que j'ai 30 images secondes. OBS n'est pas en galère, donc c'est pas normal. C'est pas normal. Bizarre. On dirait moi qui essaie de jouer à Batman Arkham Knight. Ah ouais? La merdasse autant que ça. On laisse passer quelques secondes, j'erre dans l'appartement, et puis vous me dites si c'est toujours aussi merdique, mais c'est bizarre, moi le retour est bon. Vous me direz, je pourrais avoir un retour avec ma propre tablette. Bougez pas. Que je me fasse une idée des latences. Oui, il faut que j'aille là. Que je me suive moi-même. Non, je me suis planté, c'est pas ça que je voulais faire. Ah merde, j'ai quasiment plus de batterie. C'est drôle. Bon. Dites-moi, oui, je vois que vous m'écrivez dans le chat. Attendez, je vais vous lire. Tu as dû prendre la box de FunFan. Ouais, mais on parle pas de malheur, s'il te plaît, Twinsen, parle pas de malheur. Ma pauvre maman elle-même d'ailleurs depuis les fêtes de Noël elle a plus internet. Elle vit en appartement et il y a une merde au niveau de la du point de mutualisation dans l'immeuble qu'elle occupe. Et le proprio est complètement dépité en fait parce que il y aurait pas de technicien avant fin janvier. Donc à l'idée de passer un mois complet sans internet. C'est quasiment pas concevable à notre époque. Alors, pardon. Voilà, ça se casse la figure. Comme on dit, ça tombera pas plus bas. De toute façon, j'ai un câble qui est emmêlé qui ne devrait pas l'être. Excusez-moi. Alors. Voilà, une première chose. La seconde est que je vais ramasser. Bonjour, mon cher Dragon Sky. Je vais ramasser mon téléphone qui est tombé comme un flambi. Voilà, que je puisse éventuellement le voir si quelqu'un m'appelle. Et normalement, je ne reçois que des appels indésirables. Donc, j'ai une paix royale. C'est pas comme si j'avais déclaré à mes proches que j'étais en congé sabbatique entre Noël et Nouvel An. Histoire de leur dire... Je serai peinard, pépouze, foutez-moi la paix. Alors, eh ben, j'arrive toujours pas sur Twitch, sur la tablette, à voir mon propre flux. Erreur inattendue. Oui, bien sûr, je suis pas du tout là où je voulais être. Comique. Bah alors, oh, je sais même plus comment je fais pour voir mon propre signal. Ma chaîne, voilà, excusez-moi, on y croit. Oui. Alors, ça donne quoi? Ça rame tant que ça? Attendez, je bouge un peu. Ah, bah vue sur la ville. Tiens. Oh la vache! Le photoréalisme.
Ah oui! Bah. Oui, effectivement, il y a un petit lag, c'est pas normal. Oh! Il devrait pas pourtant. Là, j'ai 100 images secondes environ. Bonjour Dragon Sky, oui, j'espère que vous allez tous bien. Essaye de baisser les graphismes du jeu. Écoute. Ah, la synchro verticale, ça va peut-être vous éviter d'avoir les yeux en feu. Faible qualité du feuillage, on va mettre normal, ouais, moyen. Distance visibilité, on va raccourcir un peu. Occlusion en... Non, 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 non. On va peut-être éviter, ouais, les effets spéciaux. Occlusion en blanc, flux cinétique, anti-crénelage. Oh, il n'y a peut-être pas besoin. Attendez. Ouais, allez, on va faire comme ça. Reprendre. Bon. Zéro. J'ai aucune image perdue, mon cher Twinsen. C'est ça qui est dingue. C'est que OBS, lui, il est baba cool. Il me dit qu'il bosse à 10% du processeur. Et il me donnait aucune image perdue. C'est ça qui est étrange quand vous me dites que. Mais ouais, je regarde un peu mon retour. Ça a l'air d'être mieux. Oui, là, c'est bon. Ça a l'air d'être bon au niveau de la. J'ai pas une lampe torche visiblement dès le début. Vous êtes dans une zone sécurisée. Ouais, c'est mieux. On va laisser comme ça. Écoute, je m'en contenterai. C'est. Oh la vache, le bordel dans l'appart. Enfin bon, on y vit comme on peut. Alors, ils ont beaucoup de baskets et de jeans. Visiblement, c'est la vie ici, les jeans baskets. Alors, Hans 3. Alien. Quoi? Alien zombie from Mars, closer than you think. Plus proche que tout le monde pensait. Ah ah! Oh là 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 là. Alors méfiez-vous, vous me connaissez. J'aime beaucoup le contemplatif. Et ce genre de trucs de photos sur les murs, d'illustrations diverses et variées. Non seulement je risque de les contempler, mais en plus de les commenter. Méfiance. Oh, ça représente quoi ça? Original. Eh bé. Ah, il y a quoi comme référence? L'homme du jeu, The Man's Game. Oh mon Dieu. The Green Spirit, Way of Bones, The Secret in the Past. Oh là là, The True of the Someone. Ou Voodoo. C'est beau! Oh là 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 là! Ce réalisme! Bah, j'ai pas besoin d'occlusion ambiante, hein! Il y a un effet de halo, là, on dirait que je porte mes lunettes et qu'elles sont crasseuses! Voilà! Pour ceux qui veulent savoir quel effet ça fait d'avoir des verres correcteurs et d'avoir des carreaux crades, voilà, ça fait ça! Oh la vache! Wouh! Wouah, le micro-ondes. 9h49. Y a pas un bol d'Ovomaltine là? Comme chez les ch'tis, du maroilles et de la chicorée. Oh. Et dire que ça, c'est notre terrain de jeu. C'est notre futur terrain de jeu. Ça fait peur. Hein. Pop, pop, pop. Va falloir exhumer les immeubles, les apparts, les maisons et tout ce que vous voulez. Avec tous ces infestés. Aïe, aïe, aïe. Ah, un petit air de Venise. C'est la chambre de Funfan. Ça parle mal. Activez la radio. Ouais. Ouais. C'est gentil, hein. Enfin, ça tire le. Ça permet de détourner du monde les sons. C'est là où le jeu est bien pensé. Quoi, The Scorpion? Jed Aldelmir. Ah bah c'est la miss qui nous a sauvés. Les championnes du monde de kickboxing. Ah oui, c'est une sacrée nana. Bah tiens, Jed, je vais l'appeler Scorpion.
Oui, je sais pas, c'est l'obscurité ici. C'est. Y a pas l'interrupteur, non? C'est. Va te faire voir, apparemment. Bon. Ha ha ha. Dors comme une souche pendant 3 jours, puis tu fais peur aux gosses. Bon début, 31. Où je suis? Au paradis. Bon, assez plaisanté. Va en salle 190. Le boss te fera un topo. Ça veut dire quoi, 31? Demande au boss. Alors, à part 190, wow. Votre objectif est le cercle orange sur la mi-carte. Bon, ça va les gosses, vous êtes pas trop traumatisés que ça. Merci Salma. Oh la vache. Ouh. Ah! Un futur zizou. Ah, je vais pas déranger le gamin là. Tant qu'il peut avoir un peu de récréation. Oula, eux ils sont en souffrance. Ça fait des vrais tableaux, hein. Le jeu d'ombre, j'aime bien, en clair-obscur. Ça fait des. Presque des. Vous savez, des peintures impressionnistes. Bon, allez, je vais pas les enquiquiner. Visiblement, je peux rien prendre sur place. Rien ne m'appartient. Je peux pas lui faire la causette? Non, il boude. Alors. C'est cadenassé, pourquoi? Ah, faut que je fasse le tour dans l'autre sens. D'accord. Oh là là. Ah, par là peut-être. Attends, excuse-moi, gamin. Elle doit veiller sur son fiston. Elle a un regard. Oh le bordel. Vache. Salut les mecs. Salut. Où est la salle 190? À l'étage. Merci. Non, il a rien à me dire le monsieur. On se fait éliminer les uns après les autres. Instinct de survie. Skid Bay. Tu es qui? Crane. Le 31. Oh, c'est vrai. Comment va ta tête? Ma tête? Je vois. Écoute, tant que le boss ne dit rien, tu n'es pas sur la liste. Alors va lui parler. On gagnera du temps. Maintenant, j'ai du travail. Ouais, c'est l'infirmier. Visiblement, ici, ils ont aménagé l'appart là en infirmerie de fortune. Ok, j'étais là. Dakodak. Oh la vache. Ah. Donc, ouf. Eh B. Wow. Ah ouais, sorti par ici. La vache, il y en a des choses à faire. Je cherche le boss. Il est là? Non, c'est toi. Bonjour, AJ. Ouais, un futur Messi, c'est ça, Dragon Sky. Le gamin qui fait son foot. La scorpion. Miss Kickboxing. Oh la vache. Wow. Wow. Visiblement, il a le plan de la ville. Peut-être même les plans. C'est quoi sur son tableau? Sacré jet. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, apparemment il parle de l'immeuble parce qu'il y a une histoire de cage d'escalier. Wow. Fait du bien de respirer un peu d'air frais. Hey, je cherche. C'est toi le boss? C'est quoi le problème? Tu es trop jeune, c'est ça? Non, je. Tu voulais me parler? J'aime mieux ça. Tu te souviens de quelque chose? Tu sais où t'es? On dirait que c'est une sorte d'abri. On appelle ça la tour. Brecon et ses traceurs ont bricolé ça il y a quelques mois. Et depuis, c'est là qu'on vit.
On frappe les livraisons, on récupère, on pille, et on sauve des gens. Ouais, je voulais remercier cette fille. Tant mieux. Parce que sans elle, tu serais déjà en train de grignoter de la rotule. Au fait, ton antizine est complètement foutue. Le seul truc que Jade a pu sauver, c'est ta radio. Ok, je peux la récupérer, s'il te plaît? À mon avis, j'en ai plus besoin que toi. Ça, mon vieux, ça m'étonnerait. Viens, prends-la. Tu sais pourquoi les traceurs risquent leur vie? Pour des types comme toi. Et toi, tu utilises l'antizine destinée à quelqu'un d'autre et tu partages même pas ton matos. J'ai pas de temps à perdre avec tes conneries. J'ai perdu le contact avec un de nos gars. C'est toujours pareil avec ces radios de merde. Rends-moi service, tu veux? Je veux plus voir ta tête, ni ta précieuse radio. Alors, va te rendre utile ailleurs. On n'aime pas les feignants, ici, dans la tour. Eh, hey, c'est injuste. Je suis pas feignant, je... Eh, hey, boss. Lâche-moi. Le type dont je t'ai parlé, il est au 13e. Mais il pourrait aussi bien être coincé dans un éboulement. Repasse plus tard. Et je suis pas le boss ici. Trop jeune, tu te rappelles? Moi, je suis Raïm. C'est Brecken qui commande ici. Ha! Oui, c'est cool, je suis ravi pour toi, Edge. C'est bien que ton frangin t'ait offert Doom 2016. Quoi? Pourquoi il se met dans cet état? Ah, c'est parce que je suis monté sur le pouf. Oula, la plante, elle est... Ah oui, j'allais dire, il y a un ventilo, là. Parce que j'allais dire, elle déclare son indépendance, la plante. Eh ben... Oh, le boxon. Papapalapapapalapapam. D'ailleurs, à vérifier, alors je sais pas si vous avez le réseau cross-platform pour votre Doom, mais Edget aura peut-être l'occasion de jouer avec FanFan, et il sera content. Je sais pas s'il y a des cops dans les Doom récents, mais vous pourriez éventuellement vous organiser pour vous éclater ensemble. Je suis pas feignant. L'autre, il l'a mal pris. Ah oui, ces portraits, je les ai vus dans l'une des cartes personnalisées, là, le coup de la maison. Ah oui, d'accord, j'ai l'objectif. Ouais, c'est pas mal, ça, pour le rappel des... Ils ont pas plusieurs dialogues, non? Non, visiblement. Trouver le survivant perdu au 13e étage. J'étais aux étages inférieurs, je crois. Je suis où? Ah non, je suis au 19e. Je peux descendre toute la cage. Mais non, je peux pas. Donc là, c'est 18. Comment ils ont organisé l'immeuble? Attendez. Ah, c'est bien, vous allez vous faire du camion entre vous. Vous avez bien raison. Dans ce mec a l'air perdu. Oula, si je peux passer au-dessus du meuble. Mais non, il est... Voilà, le gamin joue à autre chose. C'est bon, laisse-moi tranquille. Ah bon, si t'es sur le point de te transformer, on pourrait être devenu. Ouais. Oula. Bah, peut-être que je serais pas sur le point de me transformer si on ne l'est pas. Alors, je suis perdu, mon pauvre. Ouais, que j'avais vu un XI sorti, mais c'est bizarre de se dire qu'il propose ça au... Je sais pas quel étage, on est au 19e. Vache. Workshop. Non, c'est pas ouvert pour le moment, j'ai que Puik. J'ai que Puik. Oh là là. Oh la vache. Waouh. Ah! Bien occupé le mec. Quoi? Où tu vas comme ça? Au 13e étage. Je dois rapporter un truc à Raïm. Le 13e? Ah merde. Tu parles d'un sale boulot. Bah tout le monde doit faire sa part, hein.
Non, il a rien à me dire. Adieu, je sais pas. Un conseil. Ok. Oui, jouez bien. Vous avez bien raison. Éclatez-vous. Bonne route virtuelle, Dragon Sky. T'as bien raison. La vache. Profitez à mort. Vous avez parfaitement raison. D'ailleurs, il n'est pas interdit que je vous rejoigne tout à l'heure quand FunFan fera son direct. Il prend son antenne à 16h. Je vous rejoindrai sûrement sur le camion américain. Ici Crane. Ça fait 70 heures qu'on essaie de vous joindre. Que s'est-il passé? J'avais perdu ma radio, mais j'ai pas grillé ma couverture. Pas encore de contact avec le chef de la tour. Identité impossible à confirmer. J'essaie de m'intégrer. Compris. Le temps est précieux, Crane. Ne l'oubliez pas. Encore une chose. J'ai été mordu. J'ai pas de symptômes, mais on me dit que je suis infecté. Alors vous avez intérêt à trouver de l'antivine toute à l'aide, dans ce cas. À l'aide! Au secours! Qu'est-ce qui se passe? Ah. Quoi? Aider le survivant. Oui, il est en face. Là? Qu'est-ce qui se passe? Ah merde! Ah oui, c'est un infecté le gars. Ok. Et comment il a fait pour venir ici? Ou alors il s'est transformé? Je me suis coupé en lui échappant. Merde! Vous avez dû le tuer, hein? Ah bah oui. Oh mon Dieu, c'était mon frère. Je suis venu là pour le voir. Du calme, tout va bien. Je vais chercher de l'aide. Raïm, ici Crane. Oh, au 13e étage. Le gars que tu cherchais s'est salement amoché en échappant à un zombie. Oh merde. 31? T'as suivi Marc? Est-ce que les lieux sont sûrs? Maintenant ça va. Je crois. Okay, bouge pas. Je dis à l'ENAP descendre. Pa-pa-pa-la-pa-pa-pa. Oh là là, oh là là là. On voit le côté horrifique avec les... Ah, comment qu'ils ont barricadé le bordel. On voit le côté horrifique avec le jeu de clair-obscur. Et moi, je crois que j'ai pas de lampe. Quoi, la flèche? Ha! Qui que quoi, la flèche? Il y a une planque dans le frigo? Ah. Oh là là, la richesse des textures, Bombelle. J'aime bien la marque. Oh mon Dieu, élégant Bombelle. Par contre, ne pas suivre aux horloges, hein. Parce que entre le micro-ondes qui indiquait, je sais plus, 11h du mat et lui qui indique 17h39. Ah la vache. Eh ben, mais sérieux, j'ai pas de lampe de poche, j'ai rien. J'ai un tuyau et voilà. Oh merde! Ça va pas loin. J'ai envie de dire, mission numéro 1, trouver une lampe de poche. Parce que je dois passer à côté de ces trucs. Prenez soin de Marc. Oui, bah oui, mais j'ai même pas de trousse de secours. Comment veux-tu que je l'aide? Bouge pas. Les nains devraient pas tarder. De la gaz. Trouve de la gaz et de l'alcool. Combine-les. Ça stoppera l'hémorragie. Oh, dépêche-toi. Essaie de rester calme, d'accord? Je reviens tout de suite. Ah, j'ai appris à fabriquer un kit de soins. Waouh. Sa formation d'infirmier commence vite. Alors, pour allumer ou éteindre votre torche. Ah! Alors, que je trouve la touche que j'avais configurée. Ah! Coup de pied. Intéressant. Ah! C'est la touche là que j'avais programmée. Ah, je me sens beaucoup mieux. Alors, fouillons. Une pièce métallique. Chic, le cambriolage commence.
Oh là là! Oh! Wow! Ok, il y a eu carnage dans cette salle. Enfin, dans cette chambre. Et carrément le mur. Wow! Ouh! Zone de quarantaine. Oui, tu m'étonnes. Si t'as un parachute, pourquoi pas? Et encore, du 14e étage, ça va être un peu court. Oh la vache! Waouh! Oi, 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 oi. Ah, le gars, il a le temps de vider de son sang. Hein. Le temps que je fasse l'inventaire. Ça va, pisse pas trop le sang. Oi, oi, oi. Oh mon dieu! Il y a tant de choses à fouiller! Rouleau adhésif. Mmh. Ouais, non, là, c'est condamné. On voit qu'ils ont barricadé. Ah, là, peut-être. Non, non. Ouais, ah oui, j'avais cru voir une... D'accord, il n'y a pas de... Il faut vraiment que j'ai le réflexe de voir la touche des clous, ok? La touche action pour ramasser du matos. C'est quoi le magazine? End move. Be quick, be dead. N'importe quoi. N'importe nawak. Là, des clous. Yeah. Pop, 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 là, pop. Ça porte chance, le numéro 13, normalement. Oh, quelle tristesse. Oh, la vache, comment ça pisse de sang partout. Oh, l'horreur. Je suis sûr que je me lance dans un trafic d'eau de Javel, je fais fortune. Pour la désinfection. Oh, mon Dieu. Appart 133. En espérant qu'il soit pas occupé. C'est-à-dire... par un zombie. Putain, ils ont que ça dans ce pays. Des jeans. Des jeans, des jeans, des jeans. C'est le vêtement du pays. Et ils auraient pu... Oh, ok. De l'électronique. Ils auraient pu, vous savez, foutre les jetons en laissant les errants, les animaux de compagnie. Vous savez, dans un placard, vous avez un chat qui se barre ou un clébard qui vous saute dessus. Ça, ça aurait foutu de la flip quelque chose de bien. Oui, je reste allumé avec la torche. Va. Alors. Ouais. C'est d'un vide. Voilà. C'est lui, il manque à l'appel. Ha ha ha. Le minou qui fout la frousse, c'est ça qu'il faut. Ah, boîte de conserve, ok, ça peut servir pour les... Je peux toujours me mettre à genoux. Pari, pari, piri, piri, bou. Bon, bah... Il peut toujours pisser le sang, le mec. J'ai toujours pas trouvé ni sa gaz, ni son alcool. Et pourtant, je viens de sortir d'une salle de bain. Triste constat. T'as rien, toi, dans ta salle de bain? Sérieux? J'ai encore refait un tour à l'étage? Ouais, non, là, c'est une brosse à dents. Aïe, 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 aïe. Non, non, mais à mon avis, c'est pas à l'étage que je vais trouver... Ouais, non, là, on n'a pas accès à une salle de bain. Visiblement, là où le jeu est indulgent, c'est que la lampe torche, elle est puissance illimitée. J'ai mieux que des Duracell, là. Franchement, elle dure très, 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 très longtemps.
À tel point que j'ai pas à me poser de questions. Ce qui fait plutôt plaisir. Et là, il n'y a rien dans cette foutue salle de bain. Je peux pas tirer les tiroirs, rien. Oh là là. Ah! Merci. Il y a de la gaz. Faut vraiment que j'ouvre grand les yeux. Bon, j'ai déjà le... de quoi faire un pansement. Mais pour le désinfecter, l'alcool, je peux en trouver où de l'alcool? J'ai envie de dire partout. Il peut y en avoir en buanderie, comme peut y en avoir dans une cuisine. Bonjour, fun fan. Oh, où est-ce qu'ils auraient pu flanquer de l'alcool? Pop, 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 pop. À mon avis, ça doit être un garçon bien rangé. Il doit pas avoir d'alcool dans sa demeure. Il m'a l'air bien, le garçon. La 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 la. Bizarre. Oui, un FPS mieux que Fear, ouais. T'en rends compte? C'est la révolution. À part ça, Funfan, ça va? Bien content de te revoir. Où est caché l'alcool? Ah, ouvrir le frigo. Ah, voilà. On va essayer. Alors, menu des plans. Ouais. Kit de soins. Alors, il y a tout ce qu'il faut pour guérir de vos blessures et vos contusions. Fabriquer. Oh mon dieu! Petit bricoleur! C'est un succès. Ouais, ça va, c'est bien. C'est pas la même ambiance et histoire. Tu m'étonnes. C'est mieux, il est plus moderne. Oh, je continuerai, je sais pas quand, dans le courant de l'année 2023, le FIR, vous en faites pas. J'ai envie de un petit peu tester un peu tout. Oula, doucement, Crane, j'incarne Crane. Alors, il est où, Marc? Vas-y que je te secours. Allez, mon garçon, courage. Serre les dents, mec, ça va piquer. J'aime bien le... saigne pas mal. Laisse-moi voir ça. De la gaz et de l'alcool, basique, mais ça ira. Ok, merci. Je m'occupe de la suite. J'ai l'impression d'être Christella vu qu'elle avait commencé ce FPS. Oui, bah oui. Oui, je suis navré, je fais pas exprès pour Christella hein, d'empiéter sur ce qu'elle diffuse. Mais c'est vrai que quand elle l'avait lancé, ça m'avait rappelé que j'avais la chance de la voir. Et que je peux désormais, comme j'avais expliqué au début de mon direct, j'ai enfin la chance de pouvoir y jouer puisque j'ai une bonne carte graphique qui m'a été offerte par mon cousin. Mon adorable cousin que vous connaissez. Ah, cool, Nayonet. Ton serveur dédié à TS, American Truck Simulator, fonctionne nickel. Eh ben, tu sais quoi, je me ferai plaisir de me connecter à ton serveur si tu l'acceptes tout à l'heure. Parce que FunFan prendra son antenne vers les 16h, et je basculerai tout doucement vers l'American Truck Simulator, je me ferai une joie de me connecter à ton serveur si tu le veux bien. On en reparlera, d'ici là, j'ouvrirai ma vocale. Une fois que j'aurai rendu l'antenne, on pourra se faire la causette entre nous. Là, je reste enfermé parce que conserver l'ambiance et la narration du jeu. Parler à Raïm. Raïm, il est... Pas mal pour un nouveau. Je t'avais peut-être mal jugé. C'est pas grave. Je veux juste rembourser ma dette envers vous. Excellent. Viens me voir. On discute de ce que tu peux faire.
On retourne au 19e étage ou 18e, je sais plus. Eh ben. Ouais, c'est le 19e. Eh ben. Ouais, je vais peut-être fermer ma lampe parce que histoire de. Le mec, il agresse tout le monde dans l'immeuble, il leur fout la lampe torche dans la gueule. Ah. Attends, non, quartier, c'est pas workshop, c'est Ed Carter, moi, qu'il me faut. Voilà, le QG. Pourquoi il est pas à sa place, lui? Il fait pas son vigie. Oh. Eh ben, j'ai hâte de revoir Miss Scorpion. Tout est réglé. C'est du gâteau. T'as autre chose pour moi? Bien, laisse-moi réfléchir. Raïm, tu sais que tes idées de génie sont dangereuses. Omar m'a raconté ton plan pour le nid. Des charges explosives, sans rire. Quoi? Des explosifs? Oh, j'ai jamais dit ça. Tu sais pas mentir, même pour sauver ta peau. Je sais ce que je fais. Ah ouais? Tu te crois immortel? T'es pas ma mère. Non, en effet. Notre mère est morte. Alors, il faudrait être un dur. Peu sympa avec moi. Je suis la seule famille qui reste. Surtout depuis qu'Amir n'est plus là. C'est toi, Jade. C'est moi. Je voulais te remercier de ce que t'as fait pour moi. Et te dire que je suis navré pour Amir. Je dois la vie à tous les deux. Oui, c'est vrai. Tu veux me rendre la politesse? Fais en sorte que mon crétin de frère reste en vie. Pas d'explosif, Raïm. J'ai gardé un bon souvenir de ce perso. La demoiselle Scorpion, là, elle est adorable. J'espère que le long des quêtes secondaires, ça va y avoir des bons échanges, des bons dialogues. C'est un perso, je crois, qui est très attachant. Qui finit mal. Je sais qu'elle finit très mal. Mais elle est très attachante. Ah là là. Je peux pas vous shipper des trucs avant de vous faire la causette. Oh la vache, la radio! Wouhouhou! C'est du matos militaire, on se croirait dans Project Zomboid. Oh, regardez-moi ce beau soleil. Oh, magnifique. Oh, la ville est énorme. C'est vertigineux. Elles sont où les barricades? C'est pas Raccoon City, hein. Oh, l'étendue, toi. Ça va être pas mal non plus du côté des forêts, là où il doit peut-être y avoir quelques zombies aussi. C'est bien, ils ont un parc dans la ville, peuvent respirer un peu de verdure. Je sens qu'il va y avoir des missions casse-gueule dans la tour en construction. Bonjour Christella, j'espère que tu vas bien. Wouah. Eh ben. Ah oui, là aussi, ils ont encore une radio militaire. Oh la vache. Oh, plan de la ville. Attends, faut que j'allume, là, je vois pas où est-ce que je mets les pieds. Oh, le bordel. Quoi? Une statue? Vous êtes sérieux? Une figurine de zombie. Il y a des objets à collectionner. Hein? Eh, hey, pas mal, la boîte militaire. Ça peut servir à ranger du bon matos. Oh, la vache. Même ce genre d'immeuble, je suis surpris que dans les angles, il n'y ait pas de piliers de... d'un point de vue architectural, j'ai quand même quelques doutes, quoi. Je serais l'architecte, j'aurais mis un gros pilier quand même dans l'angle. Enfin bon, vous me direz, j'y connais pas grand-chose, mais... Parce que ça donne le sentiment que ça déjoue les lois de la physique. Putain, il y a du vent aujourd'hui. Oh la vache. Il n'y a rien sur le rebord de la fenêtre, je me méfie. D'ailleurs, le pauvre, je vais même pas dresser la parole. Non, il a rien à dire. Eh, venez par ici que je vous aveugle avec ma lampe torche. Pardon. Ah, génial, une trousse de... Ah bah, c'est bien. Bah, je croyais que la pharmacie était à l'étage en dessous. Donc il y aurait plus de matos que je ne pense. Sauf si les boîtes sont vides. Alors là, ça craint. Tiens, qu'est-ce que c'est que ce vase? Vase avec les oiseaux, original. Oh, du ketchup. Alors, comme ça, on aime le ketchup. Bon, ça t'a suffi?
Je peux parler à Brecon maintenant? Change d'abord de fringues. Je t'en ai mis des neuves dans ta chambre. Numéro 194. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elles ont, mes fringues? Il va te falloir quelque chose de plus adapté à la tâche que veut te confier Brecon. Appelle-moi quand tu seras changé. Oh! Allons bon, faut que je me fasse tout beau. Tenue de soirée. Une tenue dite de traceur. Wow. Ah, si tu le dis. Une tenue de traceur. Alors, chambre 194. Ouais. Ha! Attends, c'est... Ouais, les gardes, ok. C'est le poste de garde. Ah oui, pas con, ils ont aménagé les lits pour... Ok, c'est la caserne ici. Bien vu les mecs, bien vu. C'est pas con du tout, je vous l'accorde. Oula, c'est... Là, c'est ceux qui sont punis, là. Alors, voici votre planque. Modeste. Vous pouvez changer de tenue et stocker des objets. Vous accédez à de nouvelles tenues aux mesures de vos niveaux de survie augmentent. Ah, d'accord. Et je prends quoi comme... changer de tenue, nouveaux habits. Ok. Je suis l'interface qui m'intrigue. Stockage, j'ai le droit à quoi? Oui, bah je vais stocker ça. Ouais, tout. Peut-être pas tout. Je vais peut-être en stocker que deux. Ah, bien, je peux dire à la souris ce que je veux. Bien, l'interface est bien programmée. Rouleau adhésif, c'est quasiment universel. Quand tu veux faire un assemblage, évidemment... Avoir de l'adhésif, c'est la vie. Ah, malin l'option. Prendre tous les objets n'occupant pas des cases du sac à dos. Très très malin. Ok, cool. Bon, bah je reviendrai ici avec du matos. Où je peux trouver Brecon? Pas si vite, mon vieux. Si tu veux gagner ta croûte, faut d'abord s'assurer que tu sais te débrouiller. Alors fonce à la salle de sport. Allez. Les escaliers, c'est la mise en jambe. Allez, l'heure du tuto a sonné. Quoi? Sérieux? Non, oui, je me fais avoir par le plan, mais... Ah si, sérieux. C'est... J'ai pas le droit à la cage d'ascenseur, ok. Je suis condamné à me coltiner, là. Ha ha ha! Bon, ça va, on est au 19e. Il reste plus beaucoup d'étages avant d'atteindre le sommet, je pense. Hop, il va y avoir des choses à piquer, je pense. Il faut écumer les étages, non? Bedroom. Stockage, ok. Ah, ouais, ils rationnent tout. Pas con, les mecs. Pas con, pas con. Eh ben... Ok, j'ai pas le droit de... Bon. Pas très causant, les Mickey. Ah! Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Oh, pas mal la texture du sol. Ah, c'est déjà le toit? Oh, je pensais qu'il y avait quelques étages de plus. En gros, c'est un 20 étages, l'immeuble. Ah ouais. Bon, bah... Yeah. Raïm, je te vois pas, où t'es? Prêt. N'importe alors, quoi. Qu'est-ce que t'attends? Viens par ici. Aïe, 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 aïe. Je suis sûr qu'il y a des trucs à gauler. Il y a du matos quelque part, c'est obligé. Oh la vache, ils ont pas mis de barrière, vous êtes tarés les mecs. Oh, tu veux te barrer de l'immeuble, tu prends un parachute et tu te...
petit parachute dans le quartier en contrebas. Par contre, pour revenir, ça doit être chaud. Je me demande comment il gère en contrebas. Base du parcours. Le bouton saut est vital. Oui, pour se déplacer verticalement, tu m'étonnes. Maintenez le bouton saut pour saisir un rebord que vous regardez. Vous pouvez effectuer cette action en marchant, courant, sautant, tombant. Ok, faut être très agile. Votre premier cours de Yamakaki. Il veut rien dire, ce graffiti, non? Non, mais il n'y a rien à chiper. Le mec qui s'est bien fait suer à remonter un siège auto jusqu'au sommet de l'immeuble. Il y en a qui ont des vies passionnantes. Non, là, il n'y a rien. Oh la vache! Le paysage, toi, la profondeur, ça me rend fou. Oi, 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 oi. Et dire que théoriquement, il va falloir tout écumer. Il y a un stade, visiblement, là-bas. Là, il y a un tunnel. Je sais pas ce que c'est que ce bordel. Oi, 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 oi. Il n'y a rien à choper. Utiliser. Non. Tu parles que je vais jouer aux dames? Oi, 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 oi. Hein, faut pas avoir le vertige et faut pas qu'il y ait de coup de vent. Notice. Chariot de course. Allez, on y va. Effectivement, c'est assez instinctif. Non, je suis pas assez prêt. Vas-y, saute, mec. Voilà. Et ça, c'est le toit du toit. C'est horrible, ça me fait penser à un fait divers américain. Il y avait une nana qui avait été retrouvée morte. Les Américains, eux, ils mettent leur bassin pour avoir de la pression, les aimants. Et la mise en bière, tu penses qu'on te fait les... Je sais pas, les succès, je m'en moque. Moi, je prends mon temps, voilà, quoi. Vous me connaissez, à force. Je cherche pas à faire le 100%, je cherche à avoir 100% de plaisir, vous voyez. Bref, ça me rappelle un fait divers. Les Américains, ils me font un peu château d'eau avec leurs immeubles. Et souvent, ils chapotent leurs immeubles d'un bassin au sommet, au toit. Et comme ça, bah, naturellement, il y a la pression avec l'attraction terrestre dans la tuyauterie. Et c'est vrai que c'est en partie astucieux de faire ça. Mais ça me rappelle un fait divers où... Il y avait une malheureuse qui avait été retrouvée morte, noyée dans un de ses bassins sur le toit d'un immeuble. L'horreur. Wouh ! Tadam ! Non. C'est ça, fous-toi de ma gueule, toi. Oh la vache, il n'y a pas intérêt à ce qu'il y ait un coup de vent. Hein. Parce que c'est la mort, sinon. Regarde pas en bas. Regarde pas en bas. Non, pas le vent. Bon, là, il y a les câbles. Oh la merde. Wouh! Chaud. Oh, c'est beau le portrait. C'est lui qui l'a fait sur le bloc de béton, le contrepoids. Trop stylé. Bienvenue dans la salle de sport. Tu dois d'abord apprendre à courir. Hein? Comment ça, apprendre à courir? Fais seulement ce que je te dis, d'accord? Bon, maintenant saute tout en bas. T'es cinglé, je vais me tuer. Fais pas ta chochotte. Franchement, t'es pas sérieux là. Si, regarde. Raïm! Mais merde, bouge pas, je vais chercher de l'aide. Mais non, je te fais juste marcher. Espèce d'enfoiré! Bah quoi? T'aimes pas les blagues? Allez! Ramène tes fesses! Putain de merde! Tu peux le dire! Moi je le ferai pas!
Moi, en vrai, je le ferais pas. Je laisse peureux sur la grue, moi. Exposé au vent, à mourir comme un caca. Oui, tu disais, Christella, que c'est à Manhattan. D'accord. Le quartier de Manhattan à New York qui font surtout ça. Ah, je me demande si c'est pas un peu réparti un peu partout aux États-Unis. Mais c'est vrai qu'il faudrait mener enquête. Merci pour l'info, Christella. J'aime bien. Nayonet, bonjour, madame. Il est où le matelas pour amortir la chute de, je voudrais pas dire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 étages. Il est pas ma boule, le mec. Je vais essayer de viser le matelas là-bas. J'ai rien visé du tout. Ça déboîte, hein. Attends un peu pour prendre ton pied. J'ai mieux. Tu dois exploiter le terrain. La plupart des mordeurs savent pas grimper. Donc plus le terrain est compliqué, mieux c'est pour toi. Je t'ai préparé quelques situations type. Voyons comment tu t'en sors. Sympa. On atterrit sur quoi? Ah, d'accord. Il y a un monticule de poubelles avec je sais pas quoi pour amortir. Ils ont dû foutre du polystyrène et sûrement du textile. Peut-être les fringues des premiers infectés. Ça se tient. Ça se tient. Y a rien, y a pas de quête d'eau, y a rien qui est caché aux angles. Oh mon dieu. Oïe aïe aïe. Ha! Les aglos, on les voyait depuis la grue. On les voyait. Oh là 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 là! Brrr, j'en ai des frissons, faut pas avoir de. Faut pas avoir le vertige, hein, la vache. Ça, c'est barricadé? Oh merde. Bizarre. Parfois, il vaut mieux ramper dans des passages bas et étroits. Les mordeurs auront du mal à te suivre. Ouais. J'espère qu'ils ont du mal à me suivre. Petit casque de chantier, non. Là, non, on voit que c'est fermé, je peux rien faire. Ouais, ça va, c'est gentil, eh. Ciment. Oh, le bordel. C'est le bordel. Ah, c'est bien qu'ils aient mis des barreaux aux fenêtres. Oh là 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 là. Cette atmosphère. Quoi, Bronx? J'ai un moment, c'est. J'ai cru que j'avais lu Bronx, mais mon imagination me joue déjà des tours. Y a rien de planqué là, y a pas de cadeau, rien. Oh. La 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 la. Oui, oui, ok. On va fermer les yeux sur certains bugs de conception, on va dire. Oh la vache. Saisir un rebord. Ouais, non, faut que je me mette dans le. Oh là là, le bordel en bas. Attends. Wow. Non. J'arrive pas à faire ce que je veux. Ah. Est-ce que je peux prendre de l'élan sans me casser la figure? Voilà. Une fois que t'as commencé à courir, évite de ralentir. Là, dehors, si tu t'arrêtes, c'est la mort quasi assurée. Ça, je veux bien le croire. Ouais, c'est cool. Retire ton dentier. Qu'est-ce que tu racontes, toi, une scène? Ah! Oh, oh. Oh, oh! Tu fais ton vilain, toi, une scène. Tu es terrible. Ouais. On veut dire, il y a pas mal de vide. Oh vache, faut que j'aille en face. Alors, il faut peut-être que j'apprenne à courir. Attends. Oh la vache! Wouhou!
pas voir les boules. Pas regarder en bas. Ok. Ok. Oh là là. Ah ouais, t'as intérêt à être en pleine santé pour faire ça. Là, je cours et hop. Ouais, joli. Ha. Cache ta joie. Cache ta joie. Rien de rien. Non, t'es pas sérieux. Oh, c'est d'un triste. On voit que tout est précieux dans ce monde post-apocalyptique zombie là. Il n'y a pas grand chose que je puisse... C'est quoi ça? Bizarre. Contenu inflammable. On voit que tout est précieux dans le... dans ce monde post-apocalyptique. La rampe pour aller là, tu crois? Non. Non, un bon saut suffit. Voilà. Nickel. Grimpe sur l'échafaudage. Fais gaffe à pas tomber, parce qu'ici, c'est sans filet. Déconne pas. Oh, le con. Oi, 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 oi. Qu'est-ce que c'est que cet entraînement de fou? Ok, vache. C'est mon passage préféré. Suspension et planche. Si tu n'y arrives pas, tu ne survivras pas 10 minutes à l'extérieur. Ouais. Et puis de voir le barbelé là qui se... Oh là là. Faut aller là où il y a les... Ah non, passe par là. Alors attends, clac. Ok, d'accord. Il tient. Attends, déjà l'état de ses mains, on voit qu'il est mal. Observez un rebord adjacent avec le bouton au milieu de la souris. Maintenez O et R pour sauter dans la direction et la gripper. D'accord. Comme ça. Sauf que j'ai été trop mollasson. On recommence. On recommence. Ok. À mon avis, je vais la refaire plusieurs fois. Là, ça passe. Là, je cours et je m'accroche. Nickel. Ça, j'ai capté. Eh ben, dis donc, dans le feu de l'action, j'ose pas imaginer le merdier que ça donne. Parce que quand t'es dans la panique, bonjour la mouise. On voit qu'en plus il a les pattes complètement écorchées, qu'il en a bavé. Maintenez O et R pour sauter dans la direction et la gripper. Oi, 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 oi. Comme ça. Hop là. Dur. Thierry. Oh là là, mais quel homme, quel athlète. Oh la vache. Attends, je me mets au bord. C'est vachement bien pensé, je trouve. Bah finalement, je l'aurais pas fait 50 fois. Bon, c'est l'heure du vrai test. Retourne à la grue. Sers-toi de tout ce que tu croiseras pendant ta course. Mmh. Y a rien ici. Oh les salopards. Mirror Edge, ouais, c'est vrai. Ouais, ouais, il y a un peu de Mirror Edge. Je me lasse pas de la vue. Hein. Faut dire que la ville a de la gueule. Attends, qui doucement. Hop. Allez, un petit peu de poutre, mais nouvelle façon. Ok. Là, ça me va. Oui, comment se casser le dos? Même Lara Croft, elle le fait pas, ça. Par ça, tout va bien. Oh la vache. Cette souplesse.
Oh, les salauds. Oh la vache. Wouhouhou. Oh oui. Mes derniers tours de stade remontent au lycée. Dans ce cas, t'es un vrai prodige. J'avais jamais vu ça. Tu m'étonnes. Je suis allé au-delà du truc. En fait, j'ai mal atterri. Je suis allé au-delà de là où je voulais aller. Retourner à la grue. Ouais, faut que je remonte. Ouais, alors je vais éviter de me planter là où il y a les fils qui sortent du mur. Rien, ils donnent que puits, que j'ai rien à ouvrir. Oh la misère. Oh là là. C'est la misère, misère. Vache, c'est beau. Là, franchement, s'il veut, il peut. Voilà, nickel. Ok, j'ai plus besoin de, on va dire, d'être pris par la main et d'être balisé. Je finis par capter. C'est pas le meilleur endroit. Moi. Ah, ah, ah. Oh, une échelle, c'est trop gentil. Ah, bonjour et bienvenue, Big Ben. Je vais me permettre de dire Big Ben. Parfois, les pseudos un peu trop complexes, je les... Sans offense, hein, je les écorche, mais... Bonjour et bienvenue, Big Ben. Ok, je suis revenu à la grue. Ah oui, évidemment, il faut que je revienne à l'immeuble. On regarde pas en bas, on prie pour qu'il n'y ait pas. Qu'est-ce qui m'arrive ? Crane ! Réponds-moi ! Qu'est-ce qui se passe ? Il s'est passé un truc. Heim, qu'est-ce qui m'est arrivé ? Et merde, je suis sûr que t'as eu ta première crise. Reviens jusqu'ici. Il y a du vent, c'est génial, on regarde pas en bas. Je sais pas ce que veut dire la barre. Peut-être qu'il avait perdu son endurance. Ouh vache. Wouh ! Alors, parler à Raïm de la crise. Où est-ce qu'il est ? Ah, il est plus bas. Coucou ! Là, il est... Si, il est léger. Il est sur un balcon, je lui tombe dessus. En même temps, j'ai envie de dire, je m'en moque. Il y a un amas de... Ça amortit ma chute. Voilà. Puis ça fait pas autant de bruit que ça. C'est pas plus mal. Ah bah, lève-la le stick. Raïm, c'était quoi ce bordel ? Je suis en train de basculer ? Non, je pense pas. Ce type de crise est assez fréquent quand on est infecté. Tu devrais aller voir le docteur Verré. Il t'examinera et te fera sûrement une injection d'antizine. Avant d'aller voir Zéré, va parler à l'intendant. Il t'équipera pour que tu puisses sortir sans te faire dévorer la tête. Bon, ben ça va faire des persos à découvrir. Utilisez l'ascenseur pour descendre au rez-de-chaussée. Wouh ! Moi qui m'attendais à récolter quelques objets. Finalement, c'est la misère. Ah merde, merci c'est tout plein pour cet acte de fidélité à la chaîne. Ça fait chaud au cœur. Bienvenue. Oui, et puis apparemment, j'ai pas...
J'ai pas d'échange de dialogue avec les gars, quoi. Alors, descendre. Mince, faut que je reste appuyé. Ah, pas mal la transition. C'est vrai, j'avais oublié que c'était comme ça. Pas mal du tout. Oui, c'est vrai que de voir certains diffusés sur certains jeux, ça influence, ça donne envie de le lancer aussi. Alors, pardon, je préviens. C'est, je découvre le jeu et mon premier, comment dire, je veux faire en solo la première fois. Je referai le jeu une deuxième fois avec un coéquipier, je sais pas lequel, mais ce sera dans des mois et des mois et des mois. Donc merci aussi de pas me divulgâcher le jeu, s'il vous plaît. Vous m'aurez compris, je vous en remercie. D'accord, c'est le rez-de-chaussée ici. Parler à l'intendant. Oula. Une note. D'accord. Faut vraiment ouvrir grand les yeux. Là-bas, il y a une sortie. Ascenseur, quoi? Ne pas fumer. Ah oui, du matos inflammable. Salut toi. Bon, je vais interagir avec toi plus tard, visiblement. Ils ont barricadé l'entrée. Ouais, il vaut mieux. Vaut mieux. Ouais, personne fait la causette. Boyoul. Ah, c'est lui. Oh, c'est toi le nouvel éclaireur. Raïm m'a parlé de toi par radio. C'est moi, je m'appelle Crane. Tant que tu n'auras pas survécu quelques jours, inutile que je me casse la tête à retenir ton nom. Voilà pour toi. Ah. Au fait, dans la tour, on raconte que t'es qu'un profiteur de plus. Juste bon à attendre ta ration de nourriture ou d'antisine. Autrement dit, les gens ne t'apprécient pas trop. Mais ne leur en veux pas. On devient vite paranoïaque quand on est isolé. Et vu que quelqu'un brouille les communications avec le monde extérieur, la paranoïa, on connaît. Les seuls sur qui on peut compter pour s'en sortir dans cette foutue ville, c'est nous-mêmes. Mais si tu m'apportes du contenu des livraisons, tu verras qu'ils changeront vite de refrain. Ce genre de truc, ça change tout, crois-moi. Merci. Je m'en souviendrai. Autre chose, j'ai pas trop le temps, là. Et si tu veux te faire apprécier, essaie de filer un coup de main aux gens. Rends leur service, et ils t'auront à la bonne. Tu pourrais même te trouver une petite femme pour te tenir chaud. Eh ben, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Alors, clé réglable rouillée. L'intendant vous proposera chaque jour de nouveaux objets gratos. N'oubliez pas d'aller le voir quand vous manquerez de matos. Sympa! Si en plus il fait distributeur de matériel. Mais je pense que je contribuerai pas mal à sa réserve. Me ferait une joie d'échanger qu'on appelle ça en troc. Ok. Bon, c'est toujours ça de prix comme arme. Merci. D'accord. Un crochet, un kit de soins, des pièces métalliques. Ok, merci. J'apprécie le cadeau de bienvenue. Et un pied de table. Ça peut servir aussi. Demandez au docteur Zeré de vous faire une piqûre d'antisine. Ah, ça pourrait me sauver. En dehors de ça, les mecs sont pas très bavards. Ah. Ouh, bien le matos. Oh la vache. Je reviens dans 20 niveaux. J'ai le droit au même matos. Wow, bah alors, il n'y a pas de sac pour amortir la chute. Bon, tu me diras, il n'y a qu'un étage, mais bon.
Ouais. Faut bien ça pour éviter que les zombies viennent foutre la merde. Oh la vache, comment que c'est barricadé? Bizarre. Il y en a qui feraient la lessive au rez-de-chaussée. Oh là là, le piège, toi. Pour dissuader les zombies de faire de l'escalade. Oïe. Ouais. Je quitte la zone sécurité. Eh, nouveau, sois prudent. On a déjà perdu trop de monde. Ok, trop aimable. Ah, les choses sérieuses commencent. Bon, le bleu. Zéré est installé dans un semi-remorque carré sur un terrain de jeu. En sortant de la tour, prends à gauche et fonce droit au sud. Tu peux pas le rater. Je m'appelle Crane. Allez, Crane, avance. C'est pas le moment de jouer aux touristes. Et fais pas trop de bruit. C'est ce qui attire ces enfoirés. D'accord. Et là, le mec, il dégaine et il tire. Il fout la merde d'entrée de jeu. Attends, il y a sûrement plein de trucs à récolter. Bon, allez, je vais aller voir le docteur, parce que... Si j'ai pas mon injection anti-zombie, là... Je suis dans la... Ouh, la caisse. Cette caisse m'appelle. Cette caisse m'appelle. Des piles. Ça commence bien. Ah, l'idée de faire la récolte de matos, je vais adorer ça. J'aime beaucoup dans ce genre de jeu. Oh oh. Oh oh oh. Ah, il est là. Bon, ils m'ont déjà repéré, je crois. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, de l'intérêt à bien nettoyer la tour, effectivement, ça fait une base intéressante. Je vais peut-être éteindre ma lampe. Allez, c'est parti. Ils m'ont pas repéré, il y a peut-être quelque chose en haut. Oh, pas de bruit, pas de bruit. Pas de bruit. Si je commence à marcher sur de la tôle, ça va pas le faire. Si je commence à faire une ambiance discothèque... Oh la vache. Il est où le mec? Il est... Ah, génial. Je suis pas sur la bonne partie. Oh oh. Ah, je peux fouiller. Est-ce que je peux l'assommer sans qu'il se rende compte de rien? Ah. Cigarette. C'était un clopeur, le mec. Ça ressaccade. Pas normal. Pas normal, ça devrait pas ressaccader. Ouais, merci pour l'info, mais le fait que ça ressaccade est vraiment pas normal. Je me remets à l'abri. Attends, je vais regarder mon OBS, mais... Là, je pense que les zombies vont me foutre la paix. Qu'est-ce que ça ressaccade? OBS me dit... Ah ouais, surcharge. J'ai pas d'image perdue, mais il me parle de surcharge. Hein? Je serais vraiment limite pour diffuser The Dying Light. Mmh.
bizarre. Bon, je vais pas faire trop ma chuchote, le mec est pas si loin que ça. Non, allez. Hop là. Oh merde. Ils sont coriaces. Un peu de thune. Faut souvent faire des 360 degrés dans les jeux de zombies parce que... Merde, il m'a fait mal ce con. Oula, ils commencent à être nombreux. Vous manquez d'endurance, reculez. Ok, je suis dans la merde. Ouh. Bien. Merde, je me fais repérer un peu trop facilement. Ouh vache. Ah, j'allais louper madame. Oh là là. Maintenez bouton central de la souris pour la réparer. Oui, ok. Oh. C'est de la figuration, il se met en PLS tout seul. Oh merde, il y en a d'autres qui viennent. Bon, visiblement, j'ai les zombies frais du quartier qui viennent me dire bonjour. Oh, ils sont nombreux. Ah oui, ils sont nombreux. De l'intérêt de rester au perché le plus souvent possible. C'est vrai qu'ils font peur. Hein. Oh! Un coup pour deux. Oh, merde. Je vais en avoir des corps à fouiller. Hop, 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 je t'ai vu que tu te pointais là. D'excité. Tant que mon arme est encore en état. Lentement mais sûrement. C'est bon? Non, il y en a toujours. Merde! Ah! Aïe 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 aïe. Ils apparaissent un peu trop vite. Trouvez des pièces de métal pour réparer votre arme. Je suis pas dans la mouise. Ah oui, je vois mon retour, ça saccade, c'est pas normal, ouais. Tuyau de gaz. Pourquoi je peux pas le prendre? Bah alors. Hein? Ouais, c'est bizarre que ça saccade le coup de l'OBS. Attendez voir. Est-ce qu'on sauvegarde quand on veut? Visiblement, c'est automatique le bordel. J'ai peut-être baissé, ouais, un peu le... Mmh.
Je réfléchis comment je pourrais améliorer ma diffusion. Alors, comment je répare mon arme? On peut améliorer. Oh là là, magnifique. Sélectionner. Ok. Donc une fois que j'ai fait ça. Bah non, oui. Aïe aïe aïe. Alors comment je quitte proprement le truc? Retour, ouais, comme ça. Bah, il me dit que mon arme est toujours inefficace. Je peux pas dire que je sélectionne ça? Je comprends plus. Vous avez des points de compétences à dépenser. Choisissez un des arbres de compétences auxquels vous affectez vos points. Alors, niveau de survivant, d'agilité, de puissance, de légende. Oh là là. J'ai un point de puissance. L'arbre de puissance vous permet de faire face à vos adversaires. Pour gagner en force, combattez, innovez en tuant vos ennemis et utilisez les compétences de l'arbre de puissance. Ok. Étourdissement. Apprenez à attaquer avec une grande précision. La 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 la, arme contendante. Ok. Bah oui, je veux bien. Le fait de réussir un étourdissement, c'est plutôt cool, non? Ah, il est chiant avec son... Ah, molette de la souris. Ok, j'ai le choix de mon arme. Ah ouais, là vu comme ça me plaît plus. Alors, ça arme toujours autant ou... Je fais un 360 pour voir la qualité de l'image. Ça a l'air de ramer. Bizarre. Je vais trucider quelques... Ah oui, si, on voit que ça rame. Oh, bah alors. Encodage en surcharge. Pourquoi? Pourtant, mon OBS n'a pas l'air d'être en PLS. C'est ça qui est contradictoire. Ou alors... Task Manager. Je vais voir les... Je vais voir les priorités. Alors, Dying Line fait fumer mon processeur. Oulalalalala. Dying Line serait-il trop gourmand pour mon ordi, finalement? Oh la vache. 1,5 giga en mémoire. Affinité, tous les pros. Ouais. Par contre, ah ouais, mais l'OBS, il y a tellement de process. Priorité supérieure à la normale. Je sais pas si je fais bien en faisant ça. Parce que si je dis Dying Line inférieur à la normale, je sais pas s'il va être content. On va voir. Ça va peut-être le faire. Dans les options graphiques, me dit Christella, du jeu pour baisser la qualité. Ouais, mais je suis déjà presque au minimum en fait. Et c'est bizarre parce que le jeu de mon côté, il est à 100-120 images secondes. Et c'est OBS qui me dit effectivement qu'il est un peu en PLS, mais qui me bouffe que 10% de mon pros. J'ai la chance d'avoir un ordi qui pourrait me servir à la diffusion, mais qu'il faudrait que je programme.
Et en fait, je garderai mon ordi actuel de jeu rien que pour le jeu. Et le signal en sortie, je vous les mettrai exceptionnellement à partir d'un deuxième ordi. Le rêve, j'ai la chance d'avoir cette possibilité. Pour qu'il y ait vraiment un ordi pour le jeu et un pour l'émission sur Twitch. Ce qui ferait que ce genre de déconvenu de Saram n'existerait plus. Mais pour mettre en place ça, ce sera courant de la semaine prochaine, quoi. Ce sera pas pour cette semaine. C'est peut-être les images secondes qui sont trop élevées. Peut-être. Il faut peut-être que je regarde dans le... Là, dans le menu, il me propose 60 images secondes, visiblement. Je rappelle que techniquement, j'ai mis en 30 images secondes sur Twitch, à partir d'OBS, le logiciel de diffusion. Après, il me propose pas la fréquence d'image. Je le vois pas dans le jeu. C'est dommage. C'est dommage. Est-ce que menu clac clac clac, ouais non. Je vois pas comment je peux faire mieux. Donc là, je crains que ça rame toujours. Ou alors, comment ça se fait la sauvegarde? Elle est automatique, la sauvegarde, je pense. Je vais essayer de joindre un peu précipitamment le dit docteur Zerès. Merde, les zombies sont partout. Je pense que je vais déclencher un point de sauvegarde. Je vais relancer le jeu pour voir si je peux pas changer d'option au lancement du jeu. Ouh, comment esquiver les zombies? Oh là là. Par où est-ce que je peux me barrer, moi? Ça sent pas très bon, cette histoire. Comment je fais pour escalader ce merdier? Alors, eux, on voit qu'ils ont bien toute leur tête. Mais alors... Ah, peut-être par là. Ouf, il y a du barbelé. Je suis pas d'humeur à me piquer. Un panneau routier, ça. Je suis pas d'humeur à me piquer au barbelé. Ah, il y a des trucs à fouiller. Oh, une corde! Vachement bien. Ouais, on voit que ça rame. Je regarde mon retour. Effectivement, je suis désolé, ça rame. Ça rame comme c'est pas permis. Ah, bah voilà, je peux monter par là. Ou pas. Oh, le bordel. Bonjour les gars, on joue à la marelle. Ouais, parachutage. C'est le rêve d'avoir du matos parachuté. Bonjour messieurs. Je pense que ça va sauvegarder là. Eh oh, y a quelqu'un? Camden, tu es là? Je suis censé recevoir un vaccin. Quoi? Non, non, un inhibiteur. Ça s'appelle l'antizine. Ça bloque les symptômes. Assieds-toi. L'antizine retarde l'inévitable. Le GRE n'a pas pu faire mieux. L'inévitable? Donc, il n'y a pas de remède. C'est une variante de la rage. Il n'y a pas de traitement pour l'instant. Mais je fais des tests sur l'antizine et sur des tissus infectés. Un vaccin est envisageable, c'est certain. Sans rien, vous pensez pouvoir le trouver? Avec l'aide du docteur Camden. Oui, je crois. Où j'ai mis cet injecteur? Qui est le docteur Camden? C'est un collègue, coincé dans le secteur zéro, là où l'épidémie s'est déclenchée. On collabore par radio. Mais on aurait progressé bien plus vite avec une liaison de meilleure qualité. Et si mes expériences avaient porté leurs fruits,
J'ai essayé d'injecter des versions du virus recombinées dans des bouts de viande disséminés dans toute la ville. J'espérais que des infectés les mangeraient pour pouvoir observer et enregistrer les résultats. Ça n'a pas marché. Ah, ça n'a rien donné. J'ai honte d'avoir perdu autant de temps là-dessus. Quoi qu'il en soit, plus besoin de garder de l'antizine en stock. Bon, je suis très occupé. Tu peux y aller maintenant. Où j'en étais, moi? Bon, je pense que ça sauvegarde. Raquel a envoyé presque tous ses meilleurs gars pour protéger. Raïm, Zerim a examiné et fait une nouvelle injection. Super, je devrais te maintenir un moment. Tant mieux parce que je commence à aimer te donner des ordres. Alors, l'entraînement commence vraiment. Va parler à Spike. Tu le trouveras près du camion de Zeré. Il y a du boulot pour toi. Ouais, je gagne de l'expérience. Les boutiques et l'intendant ont un nouvel inventaire. Oh, merveilleux. Alors, je vais quitter le jeu et je vais essayer de le relancer avec peut-être des paramètres autres. On va voir. Merci de votre patience hein, et de vos retours. Attendez voir. Quand je lance le jeu, on va voir si je peux bidouiller un truc. Retour menu, quitter, oui. Qui parle de boutique? M'en parle pas. Ha! Je commence à peine, j'ai déjà une tonne de succès. Aïe, aïe, aïe. Alors, si je fais jouer, il me propose Custom Games. On va voir. Custom Games, ça me donne accès à un sous-menu, je pense, non? Non? Écran noir. J'ai un écran noir, je ne comprends pas pourquoi. Mystère et boule de gomme. Oui, vous avez écran noir comme moi, je vois mon retour. Ok. Oula, ça a mis du temps. Oulala, ça a mis du temps. Bon, je provoque le... je m'attendais... Oui, il a tout pété. Ouais, c'est ça, la Jed. Mais... Je m'attendais à un menu où j'aurais pu choisir, par exemple, ma fréquence d'image seconde. Bizarre. Je vois pas l'intérêt entre lancer le jeu en normal et en custom game, c'est-à-dire en partie personnalisée. Ah, c'est exprès pour les cartes personnalisées. Ah, d'accord, donc je peux plus reprendre ma partie, hélas. C'est très con. C'est très, très con. Oulala. Ah oui, c'est pour être en lien avec Steam et télécharger les cartes des autres. Ok, je comprends mieux. D'accord. D'accord, d'accord. Et là, les options, elles ont pas changé. Ah, bah là j'ai un plafond de framerate qui est à 30. Alors, je vais relancer en version normale. C'est-à-dire que j'ai accès au scénario principal. Et visiblement, j'aurais bridé en 30 images secondes. Ce qui pour moi est ce qu'il faut faire, quoi. Donc voilà, je lance le jeu en normal. Et B, quelle aventure! Bon, si je peux me permettre... Non, je peux pas me permettre de zapper. Il doit charger des choses en arrière-plan en même temps. Nvidia, oui, magnifique. C'est marrant parce qu'Alienware... Alienware, on les a vus avec Fear. Aïe, 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 quelle aventure. Moldy, moi.
Alors, mes options graphiques, bien ou pas bien? Vous avez vu? Il me propose pas la fréquence d'image. Là, ça non plafonné. Ah, c'est peut-être là. Je vais mettre 30 images secondes, bah, ce qui équivaut à ce que j'aimais. Avec une synchro verticale, non? Bon. Je vais oser tenter de désactiver la synchro verticale, mais généralement à la diffusion c'est Gerbotron. Et je vais forcer le 30 images secondes. Je peux pas mettre texture plus faible, non, il y a moyenne et c'est tout. Voilà, pas d'occlusion ambiante, non. Ok. Alors si avec ça c'est pas fluide. On va voir ce que ça va donner. Comment ça, avec ou sans événement? Non, pour le moment, j'ai pas besoin d'événement. Oui, la référence, oui, les guignols avec le patron de la World Company, donc le, on va dire, le saint patron du capitalisme, incarné par la marionnette de Sylvester Stallone, sous une forme intellectuelle avec les lunettes costard-cravate, oui. Oh putain, t'as tout pété. Eh ouais, excellente référence culturelle que sont les guignols. C'est pas pour rien que c'est au ralenti, dit FunFan. Si c'est les mêmes qui ont fait fire. Ça c'est moche. C'est moche, FunFan. M'en parle pas. Allez, on va voir si ça rame toujours autant. Sinon, je vous fais la promesse, hein. La prochaine fois que j'y joue, je ferai en sorte d'avoir un deuxième ordi pour la diffusion à dissocier du premier. Oui, Monsieur Sylvestre, exact. Merci, FunFan. Je ferai le nécessaire pour que ça rame pas à mort, quoi. Parce que là, je suis presque au quasi minimum minimum. Ah oui, c'est Arran, le nom de la ville, c'est vrai. Oh là là. Ça a l'air de moins ramer. Je vois les arbres qui bougent au vent. Bon, je vous avouerai que je suis censé jouer encore plus qu'une heure. Alors, ça a l'air correct. Ça a l'air correct, ce que je vous aimais. Bon. Il a dit quoi? Demander du travail à Spike. Ok. Ouais, ça a l'air mieux. Je mate mon retour sur la tablette, ça m'a l'air d'être mieux. Ah, c'est lui le grand Manitou. Ah, j'aime bien ça, il a une bonne bouille lui. Spike, je suis Crane. Encore de la main d'œuvre au rabais. Super. Boucle-la et écoute. Il y a deux types de livraison. Dans l'une, il y a de la nourriture et du matériel médical et de survie. L'autre est bourré d'antisine. Le GRE va nous prévenir de leur arrivée en nous envoyant une vidéo. Le problème, c'est que ces livraisons d'antisine sont généralement récupérées par les gros bras de Rice. Et sans elles, nous sommes morts. Rice et ses gars n'opèrent qu'en journée. Parce que sortir la nuit est le meilleur moyen de se faire tuer. Mais les deux prochaines livraisons d'antisine auront lieu ce soir, au crépuscule. Brecken veut les récupérer. Ça sera peut-être notre unique chance d'atteindre le parachutage. Et mon rôle, c'est quoi? Je te l'ai dit, sortir de nuit, c'est du suicide. Ou du moins, ça le serait, si depuis des semaines, on ne préparait pas des zones sécurisées et des pièges. Brecken et son équipe ne risqueront rien ce soir si tu sors d'ici et que tu actives ces pièges. C'est ça, ton rôle. Pas bien. Où se trouvent les pièges et comment je les active? Tu verras. Je te guiderai en permanence. N'oublie pas, sans ces pièges, Brecken n'a aucune chance. Et s'il ne rapporte pas l'antisine, c'est la fin. Avant de te lancer, prends quelques pétards. C'est moi qui les ai conçus. Ils sont très pratiques pour détourner l'attention en cas de souci. Ah, pas con. M'en souviens des pétards, c'est vrai. Pour faire diversion, c'est pas con du tout. Puis je crois que j'ai des... Ah oui, c'est vrai.
On peut faire des trucs très explosifs. Ouh, ça va me plaire. Ça va beaucoup me plaire. Mais je crois que j'ai des points de compétence, hein, non? Il disait tout à l'heure, non? Compétences. Ah, niveau de survivaliste, là. Le niveau de survivant vous permet d'accéder à des aptitudes, des plans et des gadgets. Ouah, c'est bon, ça. Pour augmenter votre niveau de survie, aidez d'autres survivants et relevez des défis. Plus votre niveau est élevé, plus l'équipement proposé dans les boutiques vaut le détour. Alors, j'apprends kit de survivant. Apprenez à fabriquer des objets basiques pour la survie, des crochets, des pétards, des shurikens ou encore des cocktails Molotov. Ah oui, je veux savoir. J'ai appris à fabriquer des crochets, des pétards. J'ai trouvé des plans. Cherchez les bons composants pour l'utiliser. Les shurikens, je sais faire maintenant. Des cocktails Molotov. Et c'est déjà pas mal. Youhou! Bon, tu peux te pousser, beau gosse, s'il te plaît, j'aimerais passer. T'as entendu ce qu'on t'a dit? Prends les pétards. Ah oui, c'est vrai. Il a raison. Il a raison, ils sont là. Merci, monsieur. Alors, maintien ou appui rapide sur 4 pour changer d'arme et 5 pour changer d'équipement. Oui. Alors oui, j'avais fait une config assez particulière. Coupure de courant. Préparer un piège pour la mission de Brecken. Je vérifie, pardon, mes touches à la souris. Ah oui, il y a comme ça aussi que je peux faire. Ok. Et les plans, c'est quoi? Ah, oh, d'accord. Utilitaire, ouais. Donc, quête, comment ça se présente? Préparer un piège pour la mission de Brecken. Ok. J'ai 61$ sur moi. Carte de la ville. Wouh! Ouh la vache. Non, pas de point de navigation. Non. Oula, vire-moi ce que je viens de mettre là. C'est une erreur de ma part. Non. Oula, il n'y a pas de point de navigation avec moi. Alors, les butins sont la clé de la survie. Alors que j'ai un abruti de moucheron qui sort de nulle part qui m'arrive dans la tronche. Fouillez les cadavres, les coffres, les voitures abandonnées, les meubles et même les poubelles pour trouver des composants de création, des armes et du pognon. Alors, tabulation pour utiliser votre instinct de survie et identifier les objets que vous récupérez. Ouh, page suivante. Explorez le monde à la recherche des coffres verrouillés laissés par d'autres survivants. Ils se trouvent généralement sur les toits, hors de portée des zombies et contiennent des armes et des objets de valeur. De l'intérêt à faire du parcours des cabrioles pour être au perché. Ça me va très bien, ça me plaît beaucoup. On va peut-être quitter la zone sécurisée, je crois, non? C'est ça. Tiens, lui, il est mort, non? Ouais, mais il a déjà été fouillé. Il a déjà... Oh. Boyoul, les gars. Enfin, si on peut appeler ça des gens maintenant, ça fait peur. Oh merde, ils sont nombreux. Effectivement, tu peux pas rester. Alors. Ouais, ils sont pas très malins. Quoi? Des survivants à l'intérieur, venez nous aider. Ah oui, c'est la tour, la base, ouais. Tiens, d'abord, la voiture. Quoi? Le capot et branche la batterie, ça activera le piège. Ok. J'espère que je vais pas en prendre de châtaigne. Ici Jade, y'a quelqu'un dehors? J'ai besoin d'aide immédiatement. Oh merde. Je suis dehors, à un boulot pour Spike. Et de Mirmar. Les zombies sont partout. Il faut que tu l'aides.
Il tombe dans le trou, ce con, ou... Oh ! Bah alors ! Que signifie ? Il n'est pas tombé dans le trou. Que signifie ce subterfuge ? C'est honteux. Alors, aider un survivant piégé. Ouais, si je peux. On va pas jouer trop la provoque, hein. On va se jouer modeste. Même moi, je peux y aller ou pas ? Non, je peux pas. Ça, c'est vachement dangereux. Oh merde, ils sont nombreux. Bah, elle est bonne. Je me suis servi de la bonbonne. Je l'ai pas ouverte. C'est quoi ce délire? Ah bah elle est bonne celle-là. Je manipule la bonbonne, elle m'a pété à la gueule. Elle était piégée. J'ai pas l'air con. Surréaliste. Ah, comme ça. J'ai tapé dessus, non. Pff. Écoute, c'est trop bizarre. Oula. Attends, je peux les manipuler. Bah alors, oui. C'est rigolo de faire un strike. Tiens. Y a rien. Ouais, je les ai déjà fouillés. Oui, visiblement. Alors, c'est là où le jeu est quand même cohérent, visiblement. C'est qu'il se souvient qu'il y a le matos qui a été fouillé dans la journée. Et je présume que c'est renouvelé tous les jours. Du moins, j'espère. Ça permettrait d'avoir une ville, entre guillemets, assez vivante. Tu rigoles trop, tant mieux. Bonjour Erika, j'espère que tu vas bien. Bah, je suis content de te faire rigoler, écoute. Aïe, aïe, aïe. J'aurais peut-être appuyé deux fois sur saisir, et puis le jeu a pas apprécié. Comment je les dégomme. Allez, on va faire un peu de bruit en allant sur le toit de tôle. Allez. Oh, ça va. On pourrait faire plus de vacarme. Alors, il est où le malheureux? Il est où? Non, je peux pas entrer. Alors, c'est pas tout, mais c'est pas de la tarte. Non. Oulala, j'ai eu chaud. J'ai sauté en biais. Je sais pas ce que j'ai foutu. Qu'est-ce que c'est que cette affiche? T'es occupé, mais il n'y a pas de souci, Erika. Mais merci du coucou, ça fait plaisir. Oula, 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 je vois tous jouer un jeu, là. Je pense que vous avez mes alertes à l'écran, j'en suis désolé. Errol Hassani. Ah, une poubelle à fouiller. Ah, pièce mécanique. Cool. Je suis en mesure de fabriquer un nouvel objet. Bon, Yul. Voilà. Oh, elle avait de l'alcool sur elle, la vilaine. Elle va me faire un désinfectant. Alors, je m'approche de l'objectif et il y a une poubelle. Intéressant, non? Même s'il y a un zombie. Deux zombies. Oula. Oh, 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 oh. Il avait des clopes. Oh là là, ils sont nombreux. Pièces métalliques, c'est bien ça. Je pourrais éventuellement aller sur le côté. Qu'est-ce qu'il me fait lui? Qu'est-ce qu'il me fait le Mickey?
Oh la vache, il y avait de la thune, lui. C'était un riche. Oh, quelle horreur. Oh la vache, c'est trash, hein. Niveau de violence plutôt élevé. Oula, madame, son cœur est à prendre. Comment qu'elle est charcutée, la malheureuse? Je vais attendre que mon endurance remonte. Wouah, mais il en sort de partout! Je crois qu'il a eu son compte. Ah, lui, c'était le clodo du groupe. Oh la vache, il se jette des toits! Énorme! Ouais, comme quoi c'est pas bon de rester trop longtemps dans la même zone. Intéressant. Ouh, il est en forme, lui. Oh là là, comment je l'ai brisé. Oui, il commence à être nombreux, là. Puis il y en a qui ont des réflexes. Oh la vache. Ouais, là, je suis obligé de reculer, là. Ils sont trop nombreux. Allez, endurance. Ouh. De la violence, en veux-tu, en voilà. Ça va, c'est plus fluide, apparemment. J'ai l'impression que j'ai résolu le problème de fluidité. Faut que jette un coup d'œil sur ma tablette pour avoir le retour. Ouais, ça a l'air correct. Ça a l'air correct. Donc peut-être qu'avec un peu de chance, je pourrais garder cette configuration. Toujours faire un 360 degrés dans ce genre de situation. Et visiblement, il faut même regarder au-dessus de soi, histoire qu'il ne te tombe pas dessus. Littéralement. Oh la vache. Ah. Il y en a un autre. Oh là là. Incroyable. Hop là, hop là, hop là. Oh, la manière dont il se relève. L'animation est un poil comique. Alors là, si je pouvais avoir des armes de mêlée, ce serait bien. Parce que s'ils sont en groupe, ça va pas le faire. Oh vache. Hop hop hop, ils sont un peu trop nombreux là. Tant que je me fais pas cerner. Ah, y a rien à faire, hein. Tu peux pas rester à camper sur ta position. Il y en arrive toujours d'autres. C'est la violence. Ah ! Merde, j'ai loupé. Ouais, il est mort. Oh, la gamelle. Alors, oh là 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 là. Bon, visiblement, ma persévérance est récompensée. Non, il n'y en a plus? Oserais-je dire que je suis déçu? Non, ce serait abusé, parce que là, ils étaient vraiment nombreux. Sympa. Je dois avouer que le rythme du jeu n'est pas imposé, et j'apprécie. Grande qualité. Je peux y aller à mon rythme, j'aime beaucoup. Alors... Ah oui, il y en a par là-bas. Je vais peut-être éteindre ma lampe torche, parce que... Faudrait pas qu'il y en ait 2-3 qui montent dans le balcon, là, sinon je suis fait comme un rat. Ce serait par là-bas. Oh la vache.
Ouais, le jeu est intelligent, il a déchargé les cadavres qui n'ont plus aucune utilité. Non, là je peux pas. Il y a un truc dans le coffre de la bagnole ou pas? Non, non. Une ambulance, il y a peut-être du matos dedans. Merde, crochetage, facile. Alors, pour crocheter une serrure, déplacez le crochet avec le molette de souris et faites tourner le tournevis avec gauche pour ouvrir. Si le crochet se met à vibrer, il peut casser, ne forcez pas. Ok. Appuyez sur échappe pour continuer. Oui. Merde, attends, il y a du monde. Ah merde, il y a beaucoup de monde. Ah merde! Ah mais non, ils sont passés le mot là, ça va pas. Oulala! Je voulais fouiller l'ambulance, moi, merdoum. Bon, j'ai la lampe torche que je convoitais, maintenant il me faudrait un flingue, honnêtement, parce que si je peux balancer une bonbonne et tirer en faisant un strike, ce serait apprécié. Oh la vache, on y retourne. Oh les mandales, toi. Mine. Il y a des effets squelette exhibés, vous savez, façon Mortal Kombat. Oh la violence. J'attends que l'endurance monte un peu. Ouais, c'est bien. Oui. Ouh, vache. J'ai toujours personne derrière moi. Oh, lui, c'est un costaud. Ouais, il est plus costaud que les autres. Toujours personne? Waouh. Ok. Vache. Oh, le carnage. Cigarette. Ok. Je ne désespère pas de fouiller l'ambulance. Oh, je pense que j'aurai une petite trousse de soins en cadeau. Merde. Je l'ai mal géré. Elle s'est mise à hurler. Elle va tirer du monde. Oi, 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 oi. Je sais qu'il y en a qui peuvent arriver par là. Non, il n'y en a pas au-dessus. Ah merde, faut que je répare. Réparons. Ok. Oh là 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 là. Faut vraiment que je me méfie du petit chemin qui est derrière moi parce que... Oh là là. Impressionnant. Oui, j'ai des points de compétences non utilisés, je sais. Ça va venir. Bon, on y retourne. Il disait quoi? Milieu souris gauche.
Ok. Et ben voilà, trousse de soins, quel bonheur. Merde, ils m'ont entendu. Allez, on va essayer de faire un petit saut. Hop là. Il faut avoir le réflexe de vite repérer les lieux. Essayer de la sécuriser. Ah oui, comment? Ok, Jade, je suis sur place, avec quelques infectés. Fais gaffe à toi, Crane. Ah oui, Coucou! Je suis là. Effectivement. Encore que, du côté du van... On est d'accord que c'est fermé. Ouais, c'est grillagé, ça va. Ok, il n'y a que les deux loustiques là en extérieur. Enfin, du moins dans la cour. Pipidipidipidipidipidipidipim. Bon. Il avait 17 dollars. Et elle en avait 15. Ce graffiti. Zoï, 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 zoï. Oh, 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 il y a du matos. Planche à clous. Ok. Planche à clous. Oh, je peux recycler tout ça. Un petit pied de table. Ça, c'est rien. Si, c'est quelque chose, j'ai l'impression. Non, je me trompe. Bon. Au pire, je repasserai. Oui, alors attends. Le van. Je peux pas l'ouvrir au niveau de l'arrière ou... Merde. J'espère qu'ils peuvent pas faire tomber le grillage. Non, visiblement, le truc est complètement déboîté. Oui, ils sont très féroces, les zombies, dans ce jeu. Tu m'étonnes. Voilà, je te lis avec 10 minutes de retard, pardon. Ah. Ouais, bon, bah, ça va. Utiliser. Ah, il y a quelqu'un dedans? Oula. Je sais pas. Voilà, okay, il ne souffre plus. Bon Dieu. T'avais pas le choix. Il n'était déjà plus humain. Magne-toi, tu dois encore allumer les lampes. C'est le seul moyen de sécuriser l'endroit. Et oui, et j'ai pas un diplôme d'électronique. J'ai qu'à enclencher ça. Ok. Ok, c'est une zone sécurisée. Cool. Merde. Comment ça se passe? Les lumières sont allumées? Presque. Laisse-moi une seconde. Alors, petite pause, excusez-moi du peu, mais je vais aller aux toilettes. Je reviens.
me revoilà, excusez-moi. Hop là. Il est parti arroser le jardin, entre autres. Merci, pardon. Mais merci de votre patience, votre indulgence, mais voyez, c'est on reconnaît le côté vacances baba cool. J'ai relax. Bonjour l'Hélène Force. Oui non, j'étais parti aux toilettes. Oui, je suis tombé dans les toilettes, oui, c'est ça. Je reprends. Oui, j'ai cru voir tout à l'heure qu'on m'avait proposé des armes, machin, en multi. Alors, c'est gentil. Mais je découvre le jeu, du moins en tant que joueur, parce que je l'avais vu en tant que spectateur il y a des années de ça, quand il est sorti, le jeu. Et j'avais beaucoup aimé. Mais j'aimerais apprendre en solitaire, voilà, tout doucement. Alors oui, c'est le rêve d'avoir un flingue, et je finirais bien par en avoir un. Mais je veux pas tout de suite déséquilibrer mon expérience de jeu, voilà. Mais c'est gentil de proposer, merci. Mais je décline l'offre. Comment ça? Oui, avec un arrosoir rempli d'eau, oui, c'est ça. Bref, je reprends, merci d'avoir patienté. Alors, monter sur le toit et contacter le gru. Ah, le toit là, oui. Le toit là, je sais pas s'il peut monter sur le... Ah, le long d'un poteau. Ah, d'accord. Oh la vache, le mec. Oui, mais je vais peut-être pas sauter trop. Alors, c'était quoi le coup? C'était... oui, clac, clac, clac. Non. Comme ça. J'ai complètement merdé mon saut. Joie! Ouais, évidemment, il y en a plusieurs qui répliquent. Sinon, c'est pas drôle. Fouiller. Non, je peux pas. Bah alors. Ah! Faut rester appuyé. Merde. Je prends trop de temps. Oh! Une caisse. Oh! D'accord, une scie circulaire. Crochetage intermédiaire. Ah! Un bon exercice. Ah, comme ça. Ah, visiblement, j'ai réussi. Quoi, je peux jouer avec toi? Oui, c'est gentil, mais là, pour le coup, je demande pas de coéquipier pour le moment. Mais c'est gentil, merci. Ce sera ma deuxième carrière bien plus tard. J'accepterai d'avoir un coéquipier. Café, objet de valeur. Ok. Inventaire plein. Merde. Oh, peut-être que jette du matos. Ouais, bah le tuyau, il est pété. Je peux le déposer. Voilà. Voilà, comme ça, je prends ça. Et mieux, tuyau de gaz. Au moins, j'ai du matos neuf. Alors, que j'aille au sommet du truc. Pièce métallique, ok. Oula. Oh, sympa la bagnole en portrait. Sympa, sympa. C'est quoi? J'arrive pas à lire. Étrange. Oui, j'ai lire. S'il peut se mettre à genoux, le mec. Il peut se mettre à genoux. Oh la vache. Non, il n'y a rien d'autre à prendre. On va monter sur l'armoire qui est bien ensanglantée. Là, j'ai vu un truc. Inventaire plein, oui, c'est un morceau de bois. Ça, c'est une autre caisse. Intermédiaire. Alors, je l'attends. Attendez.
Doucement. Visiblement, le crochetage me réussit. Oui, mais si tu as besoin d'aide, tu peux me demander. Merci, c'est très gentil, Ellen Force. Ok. Ibi. Oh là là, on entend les zombies grouiller en contrebas. Je crois que je peux monter par là sans me faire trop mal. Hop là. Non, ah, loupé. Hop. Blalalala. Faut que j'apprenne à viser. Voilà. Merci tout plein pour cet acte de fidélité à la chaîne. Ça fait chaud au cœur. Bienvenue. 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 Ici Crane. Au rapport. J'ai rencontré le docteur, un scientifique. Il s'est fait un labo dans une sorte de remorque et travaille sur un remède contre le virus. Il s'appelle Zéré. Alors, vous me recevez ? Affirmatif. Ajoute un second objectif. Maintenez votre couverture et mettez ces notes à l'abri. Confirmé. Mais le fichier volé reste ma priorité, on est d'accord ? Affirmatif. Il est peu probable qu'un chercheur travaillant seul dans une remorque parvienne à des résultats concluants. Mais si c'est le cas, nous voulons les voir. Jade, c'est fait. Bien. On devra préparer davantage de zones sécurisées comme celle-là. Spike te les marquera sur ta carte. Et Crane, merci. À toi, Spike. Pour l'instant, tu dois revenir à notre mission principale et activer le prochain piège. Il y a une autre voiture à proximité. Compris. Oh là là. Eh B. Ah oui, les bagnoles là en contrebas. Mais la vache, le pop qui m'attend en bas, ça va être un carnage. Ça va être un carnage. Oh là 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 là, les vilains, ils sont nombreux. Et comment je descends sans me faire bobo, moi? Oup. Attention l'armoire. Alors... Hop là, je m'en... Ouais, non, il n'y avait rien, là, c'est hyper cadenassé. Hop. Il y a du matos dans les bâtiments, forcément. Oh, les têtes. Oh là 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 là, il y en a du monde. Ah, je peux, ouais, ramper au pire. Ouch. Bon, attends, je vais laisser se relever. Oh, très agile. Très agile. Alors, je vais être parano du 360 degrés, parce que à la vitesse où les zombies peuvent se pointer... Oh, c'est horrible comment il s'est fait bouffer de partout, lui. Eh bah dis donc. Ah, de l'alcool, cool. Cool, cool, cool. Oh, génial. Jackpot. Quoi? Instant burger. Attends, il y a personne. Ouh, faut que je fasse gaffe. Oh, lui, il m'a repéré. Elle m'a repéré, c'est peut-être une demoiselle. Delicious and hot in only 3 microwave minutes. Ah, le burger du micro-ondes. En 3 minutes. Il n'y a pas d'autres matos, non, rien. Est-ce qu'on voit des caisses, des conserves? Évidemment, il y a de la thune. C'était une supérette. C'était une supérette. Pirouette, cacahuète. Ah, il y a des trucs à fouiller. Faut que je fasse gaffe de pas me faire coincer par les ennemis, vite.
Oh! Oui! Ah oui! J'ai eu ma barre chocolatée. Ça sent mauvais, faut que je me barre. Ouh là là! Pas par là où je suis arrivé. Ça craint du boudin. On va peut-être couper ma lampe, moi. Alors, les autres voitures piégées sont pas trop loin. Je peux pas fouiller ces... Ok. Spike, il y en a plein autour de la voiture. T'as encore des pétards, non? Jette-en quelques-uns dans le tas. Ces crevards se laissent facilement distraire. Si tu le dis. Non, là, j'ai besoin de la lampe. Quoi, Love 2? Oh, mon dieu. Ah, il n'y a pas de doute. Hein. Effectivement, le rez-de-chaussée, c'est la mort. Produits domestiques. Ok. Ha! Des clubs. Des clubs! Du plastique! Mais oui, nous faisons dans le recyclage. Ouais, bon. Pour le bruit, la discrétion, c'est... Coucou! C'est ça, suicide-toi, va. Ah, ils ont quand même quelques réflexes. Il faut se méfier. Non, il veut pas. Si, il veut bien. Attention, la ligne haute tension, j'aurais pas fini grillé. Ce serait sympa. Oh la vache. Bon, soirée barbecue. Les deux bagnoles bleues sont à manipuler. Il y a je sais pas combien d'ennemis. Les pétards, c'est comment qu'on fait déjà? Merde, j'ai lâché mon arme. Attendez. Là, je viens de me soigner. C'est bien. Donc, c'est pas ça. Je recherche mes touches. Si c'est pas ça... Donc, les pétards, ça doit être autre chose. Ah ouais, bien. L'idée de la visée tête haute. Astuce, vous avez une amélioration d'armes. Sélectionnez une arme et appuyez sur F6 pour améliorer. Oui, je veux bien. Le tuyau à gaz peut être amélioré. Alors, astuce, vous pouvez améliorer les caractéristiques de vos armes en augmentant les dégâts, la résistance ou la maniabilité. Vous pouvez obtenir des améliorations en aidant d'autres survivants lors des rencontres ou lors de vos explorations. Ok. Amélioration, oui, d'accord. Module vide. Sélectionné pour insérer un module. Croisé. Plus résistant, plus maniable. Ah. D'accord. Et là, j'ai rien d'autre. Confirmer les améliorations. Êtes-vous sûr de vouloir améliorer l'arme tuyau à gaz? Non, parce qu'il y a peut-être mieux. Il y a peut-être mieux. Attendez voir. Dégâts, tuyau à gaz fait 39 en dégâts. Ah ouais, mais c'est pas mal. Sac à dos, piège à clous. Ok. Ouh, la planche de sol fait 60 de dégâts. Le pied de table 19 et les tuyaux d'eau 39. Oh la vache. La planche de sol, elle fait mal. D'accord. Ah, sélectionner. Et elle, je peux l'améliorer? Ah oui. Waouh.
Êtes-vous sûr d'améliorer la planche de sol? Oui, allez, pour une fois. On va se faire une super planche de... J'ai ce jeu sur la PS4, dit Dragon Sky, en version Platinum, jeu de base et tout le contenu additionnel. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Alors, la planche. Ah! Celle qui fait bobo. Les pétards. Oh putain, il y a une bonbonne. Oh, quand je vais avoir un 9 mm, ça va être la fête. Je l'utiliserai avec beaucoup de... Avec beaucoup de respect, on va dire. Je vais les attirer où? Au niveau du... Oh là 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 là. Oh! Je rêve ou elle a essayé de monter? C'est original. Oui, et après? Coucou! Non, tu peux pas m'atteindre. Les pétards, comment je m'en sers? Attends, il m'a dit que j'avais une touche. Laquelle? Non, pas celle-là. Non plus. Oula! Qu'est-ce qu'ils nous font, les zombies? Ils font peur. La touche 5, je crois, non? 6. Merde, je sais plus! Faut que je relise mes touches, je suis désolé, je suis perdu! Oh là là! Action. Doc, 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 doc. Le pire, c'est que j'avais bien réglé, mais. Utiliser équipement Alt. L'équipement, bah, c'est les pétards, non? Ah oui, c'est comme ça! Ah oui! Ils aiment bien les pétards. Oh, faut que j'atterrisse sur le bordel là-bas. Oh, j'aime bien les pétards. Merde, j'ai loupé le truc, mais je me suis pas fait mal. Alors. Les pétards, vous aimez les pétards? Mais oui. Merde, ils sont proches, c'est con. C'est réglé, Spike. Continue comme ça, tu devrais y arriver. Le piège suivant n'est pas loin. Bon, je devrais pas avoir à te le préciser, mais tu fais pas choper à découvert. Spike, ces monstres sont partout. Comment je fais pour utiliser un piège en cas de besoin? Tu peux pas. Je te l'ai dit, ils sont réservés à l'opération de nuit. Eh merde. Ok. Ça part. J'aimais bien la bibliothèque. Oula. Merde. Il y a quand même du peuple. Va falloir que je monte. Histoire d'être tranquille. Je vais pas toujours aller à la confrontation. Voilà. Merde, c'est verrouillé. Génial. Ouh, c'est haut. Ouh, c'est pas cool. Ouh, la configuration ne me plaît guère. Merde. Aïe, 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 ça va être très très chaud. On y va. Oubliez-moi les zombards. La 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 la. Oubliez-moi les zombards. Oh merde.
Le véhicule est par là-bas. Ouï, 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 ouï. J'ai le temps de fouiller une corde. Ah oui! Ça valait le coup de fouiller. J'espère qu'il n'y a pas des zombies sprinters. Bouge, bouge, bouge si tu veux vivre. Encore une corde. Bouge, bouge, bouge. Je suis en stress. Oula. Oula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 l
Comment ça utiliser? Ah, pour électrocuter les... Oh, ça va loin quand même. Ça va loin. C'est bien, il a lancé Fun. Allez, j'ouvre la petite boîte symbolique, il n'y a rien dedans, bouge, je suis deg. Allez, c'était cool. Je ferai la suite de l'aventure plus tard. Pardon pour les diverses déconvenues, hein, entre les temps de latence, enfin que ça ramène, que j'aille aux toilettes, etc. La vie. Mais je vais adorer ce jeu. De temps en temps, je le ferai. Parce que je vais essayer de me débloquer, vous savez, une période tous les week-ends pour y jouer, peut-être, on verra. Mais j'y rejouerai bientôt avec grand plaisir. Alors, moi, je vous donne rendez-vous en ce qui concerne ma tronche demain, je sais pas quand. J'ai pas regardé les agendas des autres. Normalement, Christella, je sais que tu diffuseras demain de 16h30 environ à 20h. Non, je pense que demain, moi, je vais diffuser demain matin. Demain, vous me retrouvez demain aux environs de 10h, peut-être, bon, peut-être même 9h, je vais peut-être me lever tôt, entre guillemets, pour des vacances. Oui, je pense que je peux vous donner rendez-vous à 9h demain matin. Je ferai, je sais pas quoi, on verra. Peut-être que je vais continuer Dying Light, je sais pas. Je n'en ai aucune idée. En tout cas, merci à vous toutes et toutes d'avoir été là. Merci pour les actes de fidélité de Leden Force 84, de RG, Monsieur Big Bang 97. Soyez les bienvenus. Merci à Nonon60 et à Aeroster qui m'avaient fait des dédicaces ces derniers jours. Saul Goodman, que je n'aurais cesse de remercier, qui a offert 11 abonnements, qui a renouvelé le sien, qui m'a offert 100 bits. Il s'est pris pour le Père Noël, il est tout foufou, Saul Goodman, mais on l'embrasse. Ah là 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 là, ça fait plaisir. Allez, on file voir Fun sur Doom Eternal. Et pour ma part, je pense que je vais me mettre à jouer la tranquillou peinard au simulateur de camion American Truck Simulator. Mais avant de rejoindre une vocale avec vous, les copains, j'aimerais quand même m'entretenir en vocale avec mon cousin. Ce qui fait que je vous rejoindrai plus tard en vocale vers 18h, je pense. Voilà pour l'info. Allez, bisous, prenez soin de vous. On file chez Fun. Moi, je vous dis à demain matin. Ciao, ciao. Le raid du sage, comme ça, ça me permettra de suivre le chat aussi. Ah ben voilà. Avec le raid. Ouais. Bonjour, bonjour, rebonjour le sage. Hein. Et bienvenue. Donc, voilà. Bonjour.